C'est à un pilier de la peinture abstraite que rend hommage la dernière exposition au fond Leclerc de Landerneau. Hans Hartung grandit dans l'Allemagne d'Hitler avant de connaître la guerre et de s'engager dans la résistance française avec la Légion étrangère. Un parcours de vie singulier que l'on retrouve dans ses peintures et ses techniques. C'est quelqu'un qui est très attaché à la liberté. La liberté du geste de peindre, la liberté effectivement de, je dirais, se soustraire aux contraintes, parfois de la composition, au profit de quelque chose qui serait plus intuitif. C'est quelqu'un qui a développé un usage des techniques tout à fait extraordinaire, mais qui parfois les détourne. Un des premiers à utiliser, par exemple, la peinture vinylique dès 1960, la peinture acrylique, quelqu'un qui utilisait le spray, qui est très à la mode aujourd'hui dans le street art. À travers cette exposition, on découvre un peintre qui expérimente les formes, les couleurs et les formats, un bon aperçu des nombreux peintres abstraits. Ce monsieur a une œuvre immense. Et à Landerneau, nous avons voulu construire non seulement une sorte de rétrospective de son œuvre, mais en plus de le mettre en parallèle avec des Allemands, des Américains, qui justement ont eu la notoriété, et alors Hartung est à redécouvrir. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas chaque toile, c'est intéressant de suivre le processus d'un artiste qui consacre sa vie à rechercher à travers des formes, des couleurs, une expression qui lui est propre. Hartung et les peintres lyriques, une exposition à découvrir jusqu'au 17 avril 2017.